Hop et hop, voilà, comme ça l'audio est en train de tourner. Et bah c'est parti. Moi, là, j'ai lancé la capture. Pareil. Là, 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 là. Oui. Non. Max, la menace est fatiguée. Va-t-il s'endormir au volant? Oh, trop tard. On va pouvoir faire la publicité là. Là, vous voyez, la somnolence au volant est très dangereuse, même en Surtout Formule en Formule 1. 1. Surtout en Formule 1. Dans le mur direct. Les gens qui regardent la télé, mais on n'a pas de Formule 1. On n'a pas de Formule 1. On n'est pas assez riche pour ça. Si on doit. Oh, peut-être qu'on l'est finalement. Ouais. T'en fais pas, jouer à Candy Crush en même temps. Ah là là. Les joies d'un iPhone. Oh bon, moi je pense que je vais prendre mon prochain téléphone parce que bon, avec mon histoire de changement d'opérateur et tout ça, j'ai perdu le téléphone qu'ils ont bloqué totalement. Je me suis retrouvé avec un vieux truc et le truc, c'est les premiers téléphones tactiles tout petits là. J'ai trop hâte d'avoir l'iPhone 5C là. Bah, moi j'ai le 5 là, cadeau de mon père. Tranquille. Bon, moi je vais prendre la version C. Tranquille, le paternel hein, quand même. Mm. Alors, laisse-moi pas, charger. Parce que le C, il m'attire bien et il est joli. Et tout. Alors, pourquoi j'ai que des réglages de pluie? J'avais pas pensé à ça. Va falloir improviser des réglages. Alors, on va mettre 4 d'aileron arrière et 6 d'avant. Ouais, comme ça. Je sais pas si t'entends en même temps. Mais... Ouais, moi j'ai lancé direct, mais... Ah, tu fais pas de réglage maintenant? Je sais pas, je suis allé à l'esbrouf, je vais tester comme ça pour voir. Ok. Désolé. Comme tu le sens, hein. Après c'est toi, n'oublie pas qu'à parc fermé, donc tu peux plus changer les réglages, donc... Bah, c'est pour voir comment elle se comporte là, comme ça, la voiture. Normalement, il n'y a pas de pluie prévue, donc je peux allonger largement la boîte. Je vais mettre plus gros, encore. Le truc d'Audacity va m'énerver. Je vois les courbes se bouger de plus en plus, tu vois. Ça m'énerve déjà. Hop. Je sais pas, je fais un peu comme les pros là. Je fais le tour d'installation. Voilà. C'est mieux comme ça. Oh, j'ai des messages sur ma boîte réception. Hop là. YouTube. En attendant, je compte pas sortir tout de suite. Je bug là. Ah non, c'est parce que je sauvegarde, ok. Bien, Max est de retour dans les stands. Et là. Je suis toujours occupé de jouer à Candy Crush, t'inquiète. Le mec a rien d'autre à foutre, tu vois. Je fais un peu comme Vettel là, tu vois, je suis sûr de moi. Mmh. Moi je reviens, je suis allé faire mon petit tour. Le mec, poup, 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 poup. Je suis allé faire mon petit pipi, mon petit popo, tranquille. J'ai bien recouvert. J'ai tout démonté. Voilà. J'ai pris mon sac, hein, bien sûr, mon petit sac en plastique. Ah là là. Ouais, je pense, attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Le freinage, je pense que je vais mettre. Attends. Comment c'est ça que je peux pas toucher au frein? Hein. Bah, t'es sorti une fois, mec. Ah, c'est-à-dire que tu sors une fois et après Bah, oui, c'est le réglage du parc fermé. Ah, ouais, tu sors une fois et t'as Et c'est fini, tu peux plus toucher. C'est pour vrai que je t'ai dit, fais gaffe, il y a le parc fermé. Oh, bah, tant pis. Hein. C'est pas grave, tant pis. Toujours occupé d'attendre et toujours occupé de finir ma partie sur le coin des crèches. Bon bah au pire, hein, je sors tout de suite, hein, je fais mon temps à la con et que là. Ouais, pronostic, je vais faire peut-être aller. 16ème, allez. Ça peut le faire. Je compte sur toi. Ouais. Oublie pas, point championnat, mec. Hey, on doit être champion constructeur, hein, je te signale. Bah si je te ramène un point à chaque fois sur les 10. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, voilà.
C'est mon objectif là. Ou si tu provoques les safety cars régulièrement pour que je puisse gagner après la course, pas de soucis. Ah ouais. Genre au départ, monsieur le safety car, là, je l'ai pas un petit billet. Préparez-vous, ça va bientôt sortir. Préparez-vous, là, je vous donne un petit quelque chose. Le mec, merci. Vous le dites à personne, hein. Non. Oh, il est généreux ce pilote, il t'a donné combien? 250€. Oh, c'est bien. Mec, t'es déjà payé 2005 pour chaque course. Ah ouais, merde. J'attends toujours quelque chose. Ouais, il y a trop de monde de façon sur la piste. Bah, je suis le seul à pas être sorti. Ouais. Je vois 21 pilotes sur la piste. Mais ah ouais, non, c'est moi. Ah oui, c'est Carrefour là. Là, c'est Carrefour sur la piste. Il y a trop de monde dans le rayon saucisson. Là. Ah, on peut pas l'avoir. Book. You know. This is fucking amazing. Oh yeah. Ça va, je commence à un peu mieux le maîtriser ce circuit. Je suis en train de faire mon entraînement commando expert. Comme ça, je serai un peu meilleur au niveau professionnel. Bah, surtout que là, t'es un expert, quoi, donc. Voilà. Ça t'entraîne bien, tu sais. Mm. Un jour, tu passeras les gens. Mm. Tu peux le faire. Ouais. Oh, peut-être. Oh, je vais perdre. Reste combien de temps? Je sais pas. 9 minutes 30. Il y a toujours autant de monde sur la piste et Roro ne sort pas. En fait, je vais sortir quand tout le monde va ressortir, tu vois. Un truc qui me fait bien chier, quoi. Enfin, c'est pas grave. Puis ça met du suspense. Hop. Je sais pas comment mon processeur il tourne même pas à fond. Il y a de l'espace, on va sortir, je suis en train de... Bon, en option plutôt, je devrais dire. Oh, ça va, sixième, oh. Dis donc, j'ai fait un progrès. Je progresse. Bah, tant mieux. Ouais. Tant que tu me bats pas sur Monaco, c'est ce qui compte. Oh non, ça y a pas de problème. C'est mon royaume. On n'y touche pas. Peut-être qu'au Brésil, je serai un peu plus coriace, mais c'est bon, ça va. Au dernier Grand Prix, tu vois. C'est bon, je gère. Oh, mais moi, le Brésil, je suis à fond là-dedans. Hop. On remarque quand même le réalisme qu'ils ont ajouté depuis le 2011, parce que dans le 2011, au Brésil, je faisais une 9 avec une Force India. Oui, bah oui. Moi, pour moi, la piste, elle est légèrement humide. C'est marrant, hein. J'ai une sorte de reflet d'humidité dessus. Bizarre, ça. On verra bien. Non. C'est bon. Merde, il y en a au ralenti. Putain! J'ai esquivé Weber de peu. Tu es où à peu près sur la... Tout au fond de la ligne droite. Je passe le dernier virage. Ça doit être Weber alors qu'il doit être au ralenti. T'es troisième, j'ai entendu. Oh ouais. T'as un quel progrès. Oh là 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 là, dis donc.
Ça y est, il y a le métier qui rentre. C'est parti pour mon premier tour rapide et mon seul d'ailleurs. Si tu freines, ne me gêne pas. Eh merde, je vais être gêné. Bah, je pense que je vais plus. Casse-toi, Maldonado, putain! Je vais bientôt avoir plus d'essence, donc je pense que c'était mon ultime tour. Ce qui est dommage, c'est que Weber, il m'a gêné parce qu'à cause de sa sortie, j'étais en violet dans le deuxième secteur. Je suis en violet là. Je mettais 2/10 à Vettel. Merde, l'autre il va me parler. Merde, ça va s'entendre sur l'audio. Fais chier, arrête de me parler sur Facebook toi. J'aurais dû me déconnecter. Mais non, putain. Il le fait exprès, c'est pas possible. Bon, excuse-moi, t'auras dû des sons Facebook sur l'audio. Mmh. Toujours en avance. C'est toi là devant moi? Ouais, je me mets dans l'herbe. Oui. Merci. Je crois que tu m'as passé. Hein. Ah ouais, ouais. C'est allé tellement vite. T'as collé combien de dixièmes à Vettel? J'étais à 7/10 d'avance. Ah, ouais, donc si j'avais pu faire mon temps, tu m'aurais mis 3/4/10. Normalement, je... Oh putain, Maldonado, lui, il fait des étincelles dans la ligne droite. Oh! Je suis largement en tête, j'ai 5/10 d'avance. Ah, 5/10, j'aurais... Ah, bah t'aurais 3/10 d'avance si j'avais pu finir mon temps. Et moi, comme un idiot, je suis pas allé au stand. Bravo. 5e pour l'instant. Ouais, Grosjean, il vient d'améliorer Grosjean. Et ouais, moi j'ai pas pu aller au stand. J'ai carrément oublié de rentrer dedans. Bon bah tant pis, on va tomber en panne, hein, comme un con. C'est pas grave. T'as combien en carburation? Ouais, il me reste plus grand chose. Je suis à 0. Si t'es en lent, normalement ça devrait passer. En lent, ouais, bah je pars un deuxième tour en lent, ça va être bien. Non, t'inquiète, dans les lignes droites, je secoue la caisse. Comme ça, on... Ah bah non. C'est cuit. Et peut-être... Bientôt nos peurs énervées. Allez! Allez, courage! Il nous reste 3 km à faire. En espérant qu'il te disqualifie pas pour être aussi lent sur la piste. Voilà. Et bientôt niveau tortue là, je vais rouler à 50 comme en ville. On va se mettre dans l'air, comme ça au moins j'ai évité les pénaux. Hop. Fais un peu ton deux à gazon. Hein. On donne un petit coup de main. C'est bon, je suis dans les stands. J'ai compris, j'ai plus de carburant, je sais, je suis à tondeuse à gazon. Je suis en 7e à 68 km/h. Ouais. À fond Basile. Je suis à fond 69. Oh là là. Oh mais qu'est-ce qu'ils ont, la pig, Maldonado, tous, ils ont carrément le complat qui racle le sol. Ouais, je sais pas qu'ils font. Bah quand même, t'es 5e, c'est déjà pas si mal. Bah ouais. Dans le genre je fais de la merde, pour ce Grand Prix, on a Weber, 15e. Ah bah oui, il s'est tapé dedans avec quelqu'un. Et dans le style je suis pas vraiment à ma place, je dirais Hülkenberg, 8e, et Perez, 9e. Bon, ça passe encore, Button est 7, donc... Mais Weber améliore hein, pour l'instant. Ah non, il améliore pas, excuse. J'ai rien dit. Je confirme, il n'améliore pas du tout. Une 48 il a fait. Il est derrière Maldonado. Putain, quand même, champion. Jusqu'ici, j'ai évité les pénaux. T'arrives à rentrer au stand?
Ouais, pour l'instant, ça tient, ça tient. T'as vu, je t'avais dit que ça tenait. Hop, on se met sur le bas côté, voilà, comme ça, on gêne pas. Attends, je vais voir où tu te trouves. Je vais voir si j'arrive à te retrouver. Oui, t'es sur la ligne droite. Ouais, j'en vois un qui se met complètement sur le côté. Ouais, ouais, ça doit être toi, ça. Allez, il te reste une minute. Ah, je mets le DRS, ça va me faire aller plus vite. Allez. Il y en a un autre au ralenti, il y en a un autre au ralenti, ça passe. Allez, allez, avec le DRS, ça peut le faire. C'est ridicule. Allez, on met un peu de kers là pour booster un peu. On met un peu de kers. Hop, 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 hop. On gonfle un peu la vitesse, voilà, 75, c'est bon. Il te reste 40 secondes pour rentrer. Donc, je sens que je vais sortir mon téléphone, alors qu'est-ce que j'ai comme SMS? Oh, deux SMS, ah bah... Dans la ligne droite, là, là, là. 20 secondes, 25. Et... Allez, on met tout le kers, allez, tout le kers pour entrer dans le stand, allez, ouais, 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 ça peut le faire, 111, oui, oui, oui. Si tu passes la ligne, c'est bon. Oui, allez, il reste plus grand-chose, allez, oui. Pour 10 secondes. Oui, oui, j'ai réussi. Tchou! Voilà! J'aurais montré au moins l'animation, ce qui se passe. Je te vois arriver, c'est bon. C'est bon, genre j'arrive à pelle poil devant. Ah, t'es 6ème, y'a Alonso qui a amélioré. Oh zut! Et donc, dans le genre j'ai fait de la merde, nous avons Weber, 14ème, qui a passé Maldonado. Ah, y'a quand même Massa 10 quand même. Ouais, bon. Let's stop. Non, je rigole. Genre, je crois que je suis arrivé pile poil devant le stand, ça fait beau. C'est bon, en roue libre. Alors. C'est parti. Ouh. Bon, bah, au moins, j'aurais montré l'animation de ce qui se passe quand on a pu une goutte. Non, il a des spasmes. Mais pourquoi t'es pas content, mon pilote? T'as fait 6ème, c'est bien 6ème. Premier. On a fait 18 à la première, la 6 c'est mieux. 6 c'est un bond de 16, c'est un bond géant. Je suis premier. Ah, je pense que peut-être de ma 6ème place, tu m'auras peut-être aux fesses sur les premiers virages. Mais après... Ouais, tant que tu me shootes pas au premier virage, comme tu sais super bien faire en Malaisie. Oui, non, mais j'avais pas fait exprès. Je retrouve la vidéo si tu veux, fais gaffe. Hein. Oui, mais c'est parce que tu te rappelles, on devait doubler le japonais, là, on l'a fait un peu comme Akinen et machin. C'est vrai, on l'a juste absorbé, quoi. Ouais, voilà, on l'a... Le pauvre, il s'est sorti comme Zonta, tu vois. Ouais, voilà. Genre... Ouah. Sauf que après dans le premier virage, j'ai vu qu'il était à côté de moi et j'ai... Et boum. Voilà, j'ai fait boum. Et tu m'as démonté. Et fait boum. Eh, j'ai failli te rattraper, quand même. Oh oui. J'ai failli te rattraper. Ça aurait été drôle par contre. T'imagines, n'empêche, le mec. Ouais, je t'ai démonté. Ouais, je suis juste derrière. Quoi? Ah là là. Arrêt prévu au 6ème tour pour moi. 6? Bon, je vais mettre 7 alors. Peut-être que je vais passer à 5, tu sais, parce que... Je verrai bien, je laisse 6 et j'aviserai. Je vais peut-être mettre 6, ouais, parce que 7, c'est vraiment limite. Au pire, si on a genre 10 secondes d'écart l'un envers l'autre, on peut faire l'arrêt en même temps, y'a pas de soucis. Ouais, voilà. On va se la faire comme des pros, là, genre... Vout, 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 vout. Ah, le voici le deuxième. Hop là. Allez, 2,05 à battre le record. Putain, mais 2 secondes 05 pour changer 4 pneus, quand même. Ça fait genre... Ok. Ouais, en NASCAR, il est tout seul, le mec, pour changer 4 pneus. Ouais. Il met quand même, je crois que c'est 6 ou 7 secondes tout seul. Non, c'est pas possible. Ah, j'ai juste, ça fait... Mais non, il doit changer 4 pneus, il doit passer de l'autre côté de la bagnole aussi. Hein. Non, mais en fait, après, ça dépend de l'arrêt, parce qu'après, tu peux faire un arrêt de 2 pneus, ça dépend... Oui, mais c'est souvent que 2 pneus, parce que souvent, les pneus intérieurs, ils sont moins... abîmé, quoi. Je crois que 4, non, je crois que 4 c'était 8 ou 9 secondes. Quoi. Bon, bah, quand même, il courait vite, le mec. Hein. Ouais, tu m'étonnes, bah, en même temps. Hop, tranquillement. Là, mais... au revoir Vettel, au revoir Lonzo, bonjour Grosjean, au revoir. T'as popé de nulle part. Voilà.
Ah, une Marco. Salut. Allez, le doublé, hein. Ça va être dur, mais ça peut le faire. C'est hop, ton deux à gazon. Wow. Oh là. Je vais quand même pas faire mon Vettel, quand même. Bah, semble que si, hein. Moi, je vais faire le Weber, je vais bloquer tout le monde. Multiple 12. Oh putain, j'ai fait le coup. Oh, magnifique. Je t'ai vu. C'est parce qu'en fait, j'ai appuyé trop de fois et je suis arrivé en marche arrière. Oui, bah oui, ça c'est quand t'appuies trop de fois. Putain, fais chier. Oublie pas, multiple 12. C'est moi devant. Déjà, si je fais 4ème, ça sera mieux que 12. Oui, si je fais 4, ce serait vite. Allez, on m'accroche, voilà, bah, Malaisie, hein. Je suis maudit en Malaisie. Notre coopération de 2012, c'est bas, et Malaisie, j'ai fini. T'as été disqualifié, il me semble même. Ouais, carrément, ouais. Bon, bah, 13ème, ok, ça va, hein. Tout va bien. Qu'est-ce qui m'arrivait encore? C'est Grosjean qui était rentré dedans? Hein? C'est Grosjean qui était rentré dedans, parce que je sais pas, j'étais 3, donc je pense que ouais, et il a dû me taper dedans. Ouais. Ah, moi je suis tout seul là. J'ai déjà 2 secondes 9 d'avance. Ah ouais, donc je fais mon Vettel. Complètement. Ah, on dirait que je reviens sur le peloton, donc ça va. Il est pas ultra rapide, hein, le peloton. Faut avouer que là je le vois sur la minimap, il est pas très. Ça a pas l'air. J'ai l'impression que Grosjean il fait voiture, il fait locomotive. Ouais. Je vais passer en truc lent. Comme ça, j'économise pour la deuxième partie. Quitte à me faire rattraper par les deux tarés que sont. Ça va, j'étais déjà en mélange d'eau. J'étais déjà en mélange standard. Bon, ça va. Je vais peut-être passer en mélange, je crois. Ouais, ils m'ont dit pareil, tiens. Ils m'ont dit, oh, si tu veux, passe en mélange 3. Bon, bah. Oh non, je gagne du temps encore sur Alonso et Vettel. Donc, ouais. Ou alors je vais faire autrement. Je vais peut-être faire 2 arrêts. Je vais rentrer plus tôt. Et faire 2 arrêts et être très agressif. C'est quand même mon style de jeu, donc... Parfois, surtout quand je suis en tête, parce que quand je suis dans le peloton, je ne le suis pas. Donc. Je prends des risques, hein. Je peux perdre la première place, mais sinon je m'ennuie de tout seul. Quoi. Toujours 13. Ouais. Je reviens petit à petit. Ce sera les stands hein, qui vont t'aider à mon avis. J'ai perdu tout le temps sur la musique. Je
Je vais déjà rentrer. Je rentre à ce tour-ci, comme ça je fais ma la stratégie. Ouais, non, ils sont là-bas en mec. Je vais pas forcer sur mes pneus. J'ai peut-être une victoire facile là normalement, mais je veux pas. Je veux pas tenter le diable. Toujours pas d'abandon dans cette coop. Oui. Je crois qu'il va falloir attendre Monaco pour ça. Ouais, et dans les abandons, c'est moi. Je le sens gros comme une maison. Normalement, la vidéo elle sera sortie d'ici là, mais j'ai déjà tourné quelques vidéos de mes deux séries d'exhibition. Et il y a Monaco en deuxième course. Et on a fini à 14. Ouais, quand même. Bah ouais, j'ai eu la safety car et tout, donc voilà. Maintenant j'ai plus qu'à assurer mon deuxième relais. Hop, hop, t'as jeté plein dans le peloton, ça va être hardcore. Oh ouais, putain, j'ai plein dedans. Hop là, je m'incruste. Septième. Ben, j'ai des soucis d'opinion, ça commence. Ça, c'est de me sortir de route, hein. Ouah, oh, ça va. J'ai failli exploser Perez, qui est d'ailleurs cinquième. Eh, hey, Checo, Checo, laisse-moi passer. C'est pour ça que je voulais faire. Voilà, Checo, il m'a laissé passer. Je vais avancer mon arrêt d'un tour parce que là, ça devient con du jeu. Gutiérrez, quatrième. No fake. Il est parti 13e, je précise. Ah ouais, ça devient inconduisible. Oh, j'ai pas le DRS. J'étais pas à moins d'une seconde. Ah merde. Tranquillement. Je crois que Gutiérrez s'est complètement laissé faire, tu sais. Il a vu un putain de taré en Mercedes arriver. un avion de chasse. Oh, c'est bon, je vais se passer. Allez hop, je fais mon petit undercut. Hein. Hop. Allez, vas-y, dépêchez-vous. Hein. Ah, allez, c'est pas grave. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui va s'arrêter aussi. Ouais, je vois ça. Chez Toro Rosso, on y va. Ouais, je crois que la stratégie que j'ai prévue, elle sera potable. Elle va fonctionner avec deux arrêts. Mais quand j'ai fait des courses en 100% pour avoir le trophée, en 100% tu gères mieux les pneus, je trouve quand même. Que en 25, c'est juste hardcore quoi. Alonso, Grosjean et Vettel au stand. Je reprends ma première place du coup. C'est la mienne.
Parce que l'avantage de ma stratégie, c'est qu'après, je serai non seulement en option, mais avec des pneus frais. Donc ils seront morts, quoi. Enfin, j'espère qu'ils vont mettre les bons pneus, quoi. C'est juste ça, quoi. Qui reste. C'est juste improbable, quoi. Cela dit, est-ce aussi improbable que Bottas 3e au Canada en qualification? Hop, tranquillement. On va ramener la voiture à la maison. Hop. Et hop, au revoir Chilton, merci. Bye, have a great time. 14. Gutiérrez et Weber au stand. J'ai l'impression que ma voiture, je la sens mieux avec ses pneus primes. Mais ils sont... Je trouve ils sont pas mal les pneus primes. Parce que je roulais beaucoup plus vite que certains, même s'ils avaient les pneus... usés, mais... ils étaient plus... plus confortable. Bon, Alonso a récupéré sa deuxième place. Et j'ai combien d'avance sur lui? 15 secondes. Ouais, c'est pas un arrêt au stand. Un arrêt au stand, c'est 25. Soit en Malaisie. Donc, je dois pusher à fond. Push, push, push. Push, Roro. Ça va, ça marche. 16 secondes 6. Je passe de 15-3 à 16-6 en un secteur, c'est déjà pas mal, quoi. Je crois que t'as bien raison, parce que là, avec les pneus primes, j'ai l'impression d'être plus rapide. En fait, les pneus options sont un gros problème quand tu as beaucoup d'essence. Ah, ils sont juste impossibles à rouler. Hein. Bon, pour te prouver que ça va bien avec les primes, je crois que t'as eu le message. Ah, voilà. 38-0. Ok, je viens de foutre 8 dixièmes encore en plus à Alonso. Donc franchement, je suis pépère, quoi. Mais bon, les pneus commencent un peu à tirer la gueule aussi. Merde, j'ai plus de kers. Fuck. Ouais, je gagne encore du temps même sans Kers.
Hop. T'es derrière le peloton ou pas là? Parce que je vois qu'il y a un groupe là. Je suis derrière deux trucs là, il y a... Ouais, je vois où t'es avant la ligne droite quoi. Wow. En plus toi tu t'arrives encore à gérer mais sans réglage quoi. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Mais réparez-moi ce KERS putain. Allez, c'est parti pour le dernier run ultra méga offensif. Oh, en plus c'est des neufs. Et c'est même pas dit qu'Alonso repart devant moi. Oh que non. Oh, ça va être juste. Ah, c'est Vettel. Ah, merde. Je suis juste sorti devant eux. Avec des pneus neufs. Bye, have a great time! Allez, au revoir les bitches. Ok, pour te dire, en un secteur, j'ai fait 1 seconde 6. Je leur ai foutu 1 seconde 6 dans la gueule. J'ai toujours pas le KERS, putain, ça fait chier. Ah bah voilà, j'ai mon cœur. La voiture devant te mène de 7 secondes. Bien, les temps sont bons. Tu tiens un rythme
Ne regarde pas le meilleur temps tour. Ne le regarde pas. Poup. Voilà. Oh putain. Je t'avais dit, regarde-le pas. Et en plus, je pourrais terminer en carburation rapide. J'ai encore de la marche. Tranquille. Bon bah je serai pas le meilleur temps autour. J'ai un petit dérapage très sympathique. Attention à la voiture derrière. Elle est à moins d'une seconde et peut utiliser le DRS pour se dépasser. Désolé, je pourrais pas finir dans les ponts. Oh t'inquiète. Ne t'inquiète pas pour ça. Au pire, si tu veux, on peut continuer la coop lundi. Hein. Lundi, j'ai congé. Hein. Ok. Bah, c'est congé pour tout le monde. Bon. Il n'y a pas de souci. Et plus j'ai de vidéos en avance, mieux ça m'arrange. Donc. Ouais. Hop, hop, hop. Eh oh, c'est pas Tokyo Drift ici. Hein. Mais je me mets en carburation lente. Je fais exprès d'aller à mon aise. J'arrive encore à mettre de l'avance sur Vettel. C'est abusé. Oui. Je peux pas faire des donuts, hein, je suppose. J'ai pas le droit. Voilà. Alors je sais pas, il y a Jean-Éric Vergne qui aura abandonné. Ah non, il y a Inter. Pérez. Ah ouais, c'est vrai que t'es loin du dixième donc. Ça va. T'as quand même su faire 11e alors que tu t'es fait accrocher, quoi, donc c'est pas si mal. Ouais, voilà. Perez 5e, Gutiérrez 6. C'est quoi ce fake? Au classement, je passe devant Alonso. Et on est deuxième au championnat. Mmh. Donc c'est pas mal. Ouais. Bon, après, je promets pas que pour le Grand Prix de Chine, on fasse mieux. Je pense qu'en ayant fait un point en Australie, ouais, je dois être 11e, je crois, au championnat. Ah, j'ai pas regardé, excuse. Oh non, non, mais je dois être 11e, je pense. Et comme j'ai marqué qu'un point, et là, 0. Let's stop. Hop, je cours tout de suite, et voilà. It's good. Bonjour tout le monde, alors pour tous ceux qui...